Béni soit le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il est au-dessus de tout et devant lui toujours nous fléchit. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Le bon Dieu a envoyé, oui, ses anges pour nous guider. Tu es le Dieu vivant, mon Dieu, personne comme toi. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait, le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Tu es le Dieu vivant, mon Dieu, personne comme toi. Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait, le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Tu es le Dieu vivant. Personne comme toi. Tu es mon conseiller, mon gardien. Tu me restaures, tu me donnes la vie. Tu es le Dieu vivant, mon Dieu, personne comme toi. Personne ne peut m'aimer comme toi. Personne ne peut me garder quand tu le fais. Tu es le Dieu vivant, mon Dieu, personne comme toi. Tu choisis pour moi le meilleur, tu me libères sur le roc, je suis posé. Tu milites pour moi, tu es mon défenseur. Tu es le Dieu vivant, mon Dieu, personne comme toi. Qui fléchit toujours nous.
Même le matin.
Thank you.
Thank you.
thérapie, c'est l'argent qu'il fout là. Ils vont m'emmener. Ça va, 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 ça va,
Yeah.
Thank you.
vêtement blanc de leur baptême. Nous avons la ferme espérance que tu les accueilles auprès de toi, là où il n'y a plus ni larmes, ni douleurs, mais la paix et la joie. La lumière. Nous ranimons cette flamme près de Médard et Françoise, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Oh,
En arrivant à Bethanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Bethanie était tout près de Jérusalem, à 1h30 de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu veux, Dieu m'en donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » De notre cinématique, auprès des familles de Françoise et de Méda, et notre enfant, nous les avons laissés pour nous associer à la peine, à la douleur de nos amis. Dans de pareilles circonstances, nos réflexions, nos pensées sont souvent envahies. Envahies par les multiples interrogations sur la mort, sur l'au-delà, sur l'enfer, sur le paradis, contre ceux qui rejettent l'existence d'un au-delà et d'un jugement des morts. Les incroyants et les impies considèrent la vie humaine comme un pur hasard et par conséquent n'ont pas compris le projet de Dieu pour l'homme. À cause de cela, l'écrivain sacré dit, leur vie est comparée à la fumée, à une brise légère, à la sorte, parce que pour eux, cette vie terrestre disparaît avec la mort. Mais pour l'Église sacrée, le croyant perçoit sa vie comme une grâce. Elle est secret, connaît la volonté de son Créateur, la Bénédiction. Amen. Oui, le croyant est fait pour la vie éternelle. Parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le livre de la sagesse nous le dit, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, pour l'immortalité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Ces peines ne sont que des occasions pour éprouver la valeur et la qualité de sa foi, de confiance et d'espérance en Dieu. Le croyant, le chrétien ne peut pas avoir peur parce que sa vie est dans les mains de Dieu. C'est la signification que le chrétien donne à sa vie, si douloureuse soit-elle. Maman Françoise
et Papa Médard sont devenus chrétiens. Était membre de la fraternité Sainte-Claire. Et dans sa vie chrétienne, elle a déployé ses qualités. Elle a consacré son temps à l'apostolat pour visiter, pour consoler, pour réconforter ses frères et sœurs dans les moments d'épreuve. Elle s'est mise aussi de toutes les personnes qui l'entouraient. Papa Médard, pour sa part, a durant sa vie chrétienne, particulièrement dans notre paroisse, s'est mis au service de fonction. Il a été membre de la commission pastorale paroissiale des jeunes et a accompagné les mouvements des jeunes. Il a aussi assumé les fonctions de secrétaire général du conseil paroissial. Mais il a aussi été choriste dans la chorale La Colombe. Ils ont cru. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur leur accorde le repos et la paix dans sa maison où il n'y a plus ni douleur, ni souffrance, ni larmes, mais la joie et la vie éternelle. Prions aussi pour nous-mêmes, pour que dans notre vie ici-bas, encore de lumière, comme lui-même dans la maison du Père. Amen. Oh.
La communion est réservée à ceux qui ont l'habitude de communier. Ceux qui ne communient pas peuvent rester assis.
Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dire, le proche de ceux qui souffrent et sous la nuit de la mort, tu fais naître le jour. Regarde les amis de la peine, sois notre refuge dans ton soutien. Fais-nous dépasser la douleur de ces ténèbres pour accueillir la paix et la lumière de ta présence. Ton Fils, notre Seigneur, par sa mort, a détruit notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant. Donne-nous la force de marcher chaque jour à sa suite pour que nous soyons dans la rassemblée, là où te suivra toute l'âme de nos yeux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. À présent, nous allons bénir les corps où vont reposer nos âmes. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance de la résurrection. Au moment de ce délire, Françoise et Médard, te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Françoise et à Médard de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu les réveilleras, pour qu'ils voient de leurs yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Dans la paix du Christ, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après les prêtres.
pasteur. Thank you.
copie là. 200 000 ok. Hein? Et la 500. La 400. Bah oh, tu es payé pour ça. Il y a quoi? Sinon on coupe hein. Au moins c'est bon pas du tout. Le corbillard est déjà passé. Il a dit oh mon ami j'ai déjà compris. C'est ici. C'est bon. Yeah.
On va fumer les mamans qui chantent. Voilà, Thank you.
Ah, foutard.